Premier lever de soleil sur cette étape qui s'annonce folle. J'ai des petits potes autour, Sam et Kevin. Allez, on lâche rien. Ça y est, la pétole est arrivée. On a choisi notre camp avec un groupe de une dizaine de bateaux là, au sud. En tout cas, si ça passe de notre côté, j'aurais pas de regrets parce que je voulais faire ça. Donc voilà, on écoute un peu de musique de Simon. Ça motive bien, French 79. Et avec le SPI, ça avance pas très vite. Mais ça avance. Allez, c'est reparti sous SPI. Le vent est un peu rentré. Et là, j'ai plein de dauphins qui m'accompagnent. Petit coucher de soleil. Magnifique. Avant une nuit qui va être décisive avec le passage de Barfleur et du Rat-Blanchard, mais j'ai le schéma assez bien en tête, donc on va voir si j'arrive à faire ce que je veux. Ouh, pas simple de se filmer là depuis le départ. Une nuit très très compliquée, passage d'Origny. Tout s'engageait bien, j'avais un super plan, je pensais que ça allait marcher et en fait ça s'est pas vraiment passé comme prévu, donc j'ai perdu quelques places. Vu la météo qui nous attend, je crois qu'on peut dire que rien n'est terminé. Bon bah là c'est bien austère ce matin. On vient de passer la bouée de Port-Sal et on est dans la pétole et la brume. Et on est crevé et on peut pas se reposer parce que c'est un champ miné d'algues. Et il faut en permanence vérifier ce petit écran. Bon, il s'est passé un truc de fou. Il y a un quart d'heure, je pensais qu'on allait devoir mouiller et attendre 6 heures la marée parce qu'on passerait pas le fond vert sous Wessant. Un endroit avec des forts courants, il n'y avait pas de vent. Et on savait qu'il fallait se dépêcher et le timing était chaud. Donc avec Tanguy, on était prêt à mouiller et attendre, et là il y a une petite risée de Dieu qui est arrivée quand le brouillard est parti, qui nous a permis de passer in extremis. Passage de la cardinale de la chaussée de Saint en musique et dans la pétole encore. Dernier lever de soleil sur cette étape de fou et on a encore distance à faire. On arrive à Belle-Île, mais je pense qu'il va encore se passer pas mal de trucs, alors on s'accroche. Voilà, dernier bord vers l'arrivée qui est dans 15 milles après s'être battu toute la journée entre au nord de Belle-Île dans la pétole. Bah voilà, je m'en suis pas trop mal tiré, j'ai fait un bon coup à la fin et là il semblerait que je sois en 12e position, juste devant mon pote Alberto, juste derrière. Et il y a eu trois petits filous qui étaient un peu derrière, qui ont dû voir que c'était compliqué au vent de Belle-Île et qui sont passés dessous et qui nous ont mis un caramel, dont mon pote Marco, bravo à lui. Franchement, des trucs comme ça, ça doit être vraiment sympa à vivre. Voilà, donc là vraiment condition parfaite, sous SPI, dans une eau de vent, tout droit vers l'arrivée. En espérant qu'il n'y ait pas encore un retournement de situation, parce que là, ça fait 4 jours qu'on est parti. Je suis cramé. Dingue, je pense qu'on s'en souviendra sous longtemps, très longtemps, toute notre vie même. Même je pense que les plus anciens, ils s'en souviendront. Et c'était super de vivre cette étape, moi je suis très content de la manière en plus, donc voilà, je suis trop content ce soir. Ouais, j'ai pas dormi beaucoup, je sais pas exactement combien, mais pas beaucoup. La nuit dernière, je tombais un peu de sommeil, donc c'était dur. Et là, aujourd'hui, on pensait que ça allait être facile, et finalement, il s'est passé plein de trucs encore. Donc non, là, il va falloir se reposer, parce qu'on repart dans 2 jours, pour une étape qui dure pas longtemps, mais qui va être super piégeuse encore. Donc, ouais, c'est pour ça, quand ça se passe bien, je pense que là, il y a beaucoup de déçus ce soir, et c'est quand même la difficulté de notre sport, c'est qu'il peut se passer des trucs un peu injustes jusqu'au dernier moment, il faut savoir gérer ça. Donc ça fait la beauté, mais ça fait aussi vraiment le côté vraiment difficile de notre sport.
4e étape. Ouais, du repos pour la dernière où ben, on a vu en 2 heures il s'est passé tout le classement de l'étape. Donc là elle va durer 24 heures, mais il peut se passer encore plein de choses. Donc ouais, c'est pas fini quoi.